Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Limitpa et aujourd'hui nous nous retrouvons dans un jeu Sony Interactive. Je voulais faire au moins une vidéo avec cette intro là, dans un jeu PlayStation Studios. Je vous jure que je voulais au moins faire un let's play avec cette intro là, avec le truc PlayStation Studios. Pour moi, c'était obligatoire que je le fasse au moins une fois. Finalement, c'est arrivé pour Spider-Man Miles Morales, alors que ça aurait pu arriver avec, je sais pas moi, Death Stranding, Ghost of Tsushima, plein d'autres. Mais non, j'ai décidé de le faire avec Spider-Man. Oui. Bref, alors, je tiens quand même à dire qu'il y a des chances que là, pendant les 2-3 premières vidéos, si je suis très long, si je suis très lent, vous allez énormément m'entendre me plaindre parce que le début de Spider-Man Miles Morales, de mon côté, le jeu, je l'ai fini il y a une semaine, quand je tourne la vidéo. Hein. Quand je tourne cette vidéo, on est le 22 août. Mon dieu, alors. Non. Ouais, ça va, hein. L'épisode final, il est arrivé. L'épisode final de Spider-Man 1, il est arrivé il y a 2-3 jours. Alors, ça va, hein. On n'a pas besoin de faire un résumé. Oui, je vais le mettre direct. Du coup, vous comprenez que si on fait Miles Morales, c'est que pour les DLC, bah, on ne peut pas. En fait, on ne peut pas pour l'instant parce qu'en fait, c'est un bug du PlayStation Plus, en fait. J'ai pris l'édition Game of the Year, hein, quand j'avais téléchargé le jeu la première fois. Mais finalement, on ne peut pas. C'est juste buggé. Donc, bon, c'est un peu bizarre, mais voilà, quoi. Sous-titres, toujours. Accessibilité... Ouais, non, mais... Vas-y, on s'occupera des paramètres plus tard. Mais voilà, il y a des chances que pendant cette vidéo-là et la prochaine, vous allez énormément m'entendre me plaindre. Tout simplement parce que le début du jeu, je le déteste. Je sais pas pourquoi, mais le début du jeu, je le déteste. Genre, vraiment, l'introduction du jeu, je l'aime pas. Pourtant, elle est sympa, hein, je dis pas le contraire. Mais je l'aime pas. Pourquoi je ne l'aime pas. Du coup, bah, comme pour le let's play de Spider-Man 1, et je leur dirai de façon, enfin, de let's play, quoi, le jeu, on le fera pas à 100%, malgré qu'on essaiera de s'avancer sur le 100% pendant le let's play. Mais on fera pas le jeu à 100% parce que pour faire le jeu à 100%, clairement, je préfère plutôt attendre que. Je préfère attendre. Enfin, tout simplement faire un stream. Ce qui veut dire que pour Spider-Man 1. Bah, Spider-Man 1 et Miles Morales, tout simplement, pour leur 100%, on les fera après le let's play de Miles Morales. Je sais que le 100% de Spider-Man 1, je peux le faire. Là, à l'heure actuelle, je peux le faire en stream. Quand cette vidéo sort, en tout cas. Non, je préfère qu'on termine Miles Morales et quand Miles Morales termine, boum, on aura un stream pour Spider-Man 1 et un stream pour Miles Morales où on s'occupera du 100%. Et j'essaierai de faire le plus de trucs en vidéo, sauf les quêtes annexes, parce que clairement, on s'en branle. Par contre, les trucs à récupérer, bon, à la rigueur, ça oui. Ah, je l'ai fait en vidéo parce que c'est quand même un peu important. Mais les quêtes secondaires, bon, on s'en fout. Clairement. Mais bon, moi, je préfère l'original. Ouais. Je comprends. Dites, Théos Bodega, c'est par là? Ouais, c'est l'enseigne jaune un peu plus bas. Un ratable. Merci. Et c'est du super boulot. Laissez un peu de place pour les nouveaux. Au cas où. Je suis à la place du peintre, je trouve ça bizarre en vrai qu'un gamin me dise « Ouais, laissez de la place pour le nouveau Spider-Man. » Ah, et maintenant c'est à nous. Ça y est, on a enfin les commandes. Bon bah du coup, voilà, hein, je nous connais toujours les touches, donc voilà, on nous met... Bah... c'est vrai que si on aurait fait chronologiquement... si j'aurais fait le 1 en 2018 et le 1 en 2020, effectivement, j'aurais peut-être un peu oublié les touches. Mais bon... Mais... Miles, qu'est-ce que t'as fait? Salut maman!
Ok, il y a déjà un truc que je vais enlever parce que ça commence déjà à me faire chier. Alors vous, vous le sentirez pas et vous le verrez pas, mais je peux vous jurer que quand vous jouerez au jeu vous-même, ça va vous casser les couilles. Voilà, la vibration. C'est sympa, hein, mais c'est horrible. Et vu comment ma manette bug, c'est vraiment horrible. Vraiment, limite, c'est de la torture. À force. Parce que vraiment, les vibrations peuvent rester en illimité, en fait. Tant que je coupe pas le jeu, et limite tant que je redémarre pas la play, ouais, je sais, à ce point, c'est grave. Bah voilà, quoi. Bon, en même temps, c'est vrai que jouer à une Play 4 en 2022, hein, faut quand même aller se faire foutre aussi. Ouais, bon. Peut-être que le prochain Let's Play PlayStation, après Spider-Man, serait sur PS5. Enfin, c'est un peu con de dire ça, sachant que je vais tourner 1 milliard de vidéos en avance. Et 1 milliard de Let's Play PS4 en avance. Donc, bon. Mais pour les Let's Play de 2023, peut-être que. Voilà. On sait pas. C'est l'habitude. Ok, en voiture. Bien reçu, X2, on vous aperçoit. C'est une sacrée opération. C'est normal. Des centaines de criminels se sont échappés du map l'an dernier. Maintenant, il faut les remettre en cellule. L'an dernier, c'est Spider-Man 1. Surtout avec votre invité d'honneur. Il y a beaucoup d'interférences, là. C'est un des anciens fils de Doc Ock. Possible. Peut-être Vulture, ou peut-être Scorpion. Voilà. Vous vous doutez très bien de qui il s'agit. Et quand j'y repense, Donald Renew avec Spider-Man, il a eu son combat contre Rhino. Parce que dans The Amazing Spider-Man 3, c'était Rhino qu'on aurait dû avoir comme méchant. Alors peut-être pas le méchant principal, mais comme méchant, on aurait dû l'avoir. Parce que avant enfin à la fin de The Amazing Spider-Man, on voit Rhino. Donc bon, par logique, c'est lui qui aurait dû être le méchant du 3, s'il existerait. Mais de toute façon, il arrivera un jour. Il arrivera un jour. Personne n'est prêt à débattre, mais on sait qu'il arrivera un jour. Comme Spider-Man 4, ça arrivera. On sait pas quand, mais ça arrivera un jour. Putain, quand même, le jour où ça arrivera, Marvel, ils vont se faire des couilles en or. Et ils le savent en plus. Ah, mon truc préféré. Alors. Putain, il est quand même haut le combo, hein. Ah non, 61. Fait chier. Vous pas trop emballer, Alexei.
Ah, du gameplay araignée, trop bien. Ah non, pas encore. Ils en ont rien à foutre. Ouais. C'est chiant, on a perdu notre combo. Connard. Aïe. Accroche-toi bien, petite araignée. Je sais, vous me prenez pour un con, mais il y a un trophée à faire. Ah bah voilà, trophée obtenu, un rhino dans un jeu. Bah je crois que si je l'ai fait. Bah non. À moins qu'il faut tout frapper avec rhino, enfin du moins tout ce qu'on peut. Oh. Classe. Ah bah merde. Ah voilà, trophée obtenu, rodéo sur Rhino. C'est une exécrable menace. C'est une affligeante, consternante. Ça vous va à ravir ce qui c'est beau comme menace. Une scandaleuse, méprisable, intolérable menace. Correct. Ouais, il a toujours l'âme contre Spider-Man. Allô, maman? Ouais, le net coco. Je cherche, mais je ne trouve pas. C'est le chaos, t'as pas idée. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, désolé, je vais essayer de choper un métro. C'est pas bien, prends une brique et rentre en église. Sima, il y a le bon job. Moi aussi. Ouais, ok, c'est un peu chaud quand même, hein. Alors. Ouais, c'est quoi le plan? On va réchauffer tout ça. Oh, pas bon, pas bon du tout. Du gaz inflammable, fouille. Ouais, c'est vrai que c'est un peu con. Hein. Alors. Ah yes, le coup de grâce. Mais putain, laissez-moi faire maintenant, merde. Ça commence à être tendu ici. La police et les prisonniers se tirent dessus. Reste pour finir un coup de main, la police. Je peux tenir encore un peu. Pique, compte sur moi.
faut arrêter ce tir. Ils tiennent le pont. Parfait. Ah non, parce que moi j'ai envie qu'on essaye de faire le combo de 100, surtout parce qu'on en gagne un trophée aussi, et du coup c'est utile pour 100% du jeu, hein. Enfin 100% sur la play, je veux dire. Le vrai 100% du jeu, on s'en fout. Ah, on l'a encore. Quel beau coup. Deux points. Ah ouais, on l'a encore. Ah oui, voilà. Le point bioélectrique coûte de la puissance bioélectrique, générée de la puissance en esquivant des attaques ou en attaquant des ennemis, blablabla. Allez, et merde putain, il me reste 5. Il me reste 5 avant d'avoir le trophée, que je n'ai jamais réussi à avoir sur mon compte perso d'ailleurs. Putain, donc si j'aurais le faire en let's play, ce serait énorme. Et merde. Et ça y est. Oh putain. Et ça y est, je l'ai eu, putain. Combo x 100. Trophée obtenu. Oh ça y est, maintenant je suis tranquille pour le reste du let's play, ça y est. Là je suis rassuré. Ah ! M'en fous ! Ah bah attends. Bon d'accord, le four à corps, hein. Qu'est-ce qu'il vous manque? Ah! Alors. Ah, voilà. Ah ouais, c'est terminé. Bon bah tant mieux. Messieurs. Wow. Simon Krieger.
directeur de recherche de Roxxon Energy. Ravi de vous connaître. Pareillement, désolé. Ouais. Le ballon a atterri chez vous. Non, vous nous avez rendu service. On vient d'acheter ce terrain, on peut tout démolir pour un projet. Mais vous avez été plus rapide que... Je voulais vous remercier. Tous les deux. Terrasse en solo. Tira loin, moi. Merci. Mais il est encore dangereux. Oh non. On le livrera à la police. Moi qui n'arrête pas de répéter qu'on n'a pas besoin de super soldats ici, et ce genre de choses arrive. Oh, le devoir m'appelle. Hey, c'était super de vous rencontrer, les gars. L'avenir s'annonce radieux. Allô. Il a raison. On décolle. Allez, on se barre. La police, personne. Ouais. Ouais. La bioélectricité. Waouh. Je vais pas te mentir. Je suis un peu jaloux. Oh, arrête. Je suis loin de t'arriver à la cheville. Sa gueule version PS5, elle est dégueulasse. Hein. Ah, mince. Ouais, désolé. Je voulais t'en parler. Je serai un peu absent dans les semaines à venir. Encore une de tes blagues, c'est ça ? Non, en fait... Il est moche comme ça, Peter. Je le trouve horriblement dégueulasse. En gros, on part bosser à l'étranger. Oh, waouh ! Écoute, je crois pas être prêt à bosser en solo. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui avec l'hélicoptère. Mais après, t'as tout carte blanche. Tu m'as sauvé aujourd'hui, Max. J'ai eu de la chance. J'ai fait ce boulot pendant 8 ans sans assistance. Et crois-moi, je me suis planté un paquet de fois. C'est comme ça qu'on apprend. Qu'est-ce que c'est ? Ton cadeau de Noël. Mais d'abord, tu dois prêter serment. Hein ? Ok. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cette ville. Je promets. Voilà, c'est bon. Le speeder serment est fait. C'est trop bien. Ton serment ? Ouais, bien sûr. T'as cru quoi ? C'était de l'impro ? Un peu. À dans quelques semaines, Spider-Man. Le seul Spider-Man de New York. Le seul Spider-Man de New York. Ah bah ouais, parce qu'il se barre, c'est vrai. Seul Spider-Man de Noël. Faudra pas se planter. Accroche-toi, t'élance-toi, elle est terminée. Niveau obtenu, bravo. Bla 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 bla. Bravo, t'as fait ça. Allez. Bon, on va aller le voir. Allez, on va voir Gunky. J'en reviens toujours pas que tu puisses faire ça. Hé, hey, attends, regarde, un cadeau de Noël de Spider-Man. Ouvre-le. Waouh. Et c'est le. Je te couvre. En quoi ? Vous avez jamais vu quelqu'un se changer à Central Park ? Là. C'est comment ? Wow. Miles Morales, félicitations et bienvenue dans ta première super semaine.
Vous pouvez équiper vos tenues dans le menu tenue. Sans déconner, fils de pute. Sur la page des tenues. Ah. Revenez ici quand, lorsque vous aurez débloqué d'autres tenues ou si vous souhaitez en changer. Sauf que on peut avoir une meilleure tenue que cela, qui est bah du coup la tenue classique, mais la tenue noire, la tenue techno avancée. Ouais, la tenue classique on la mettra peut-être. Attendez, débloque le mode badaboom, progresser, continue de progresser dans l'histoire pour voir cette description. Ouais, les autres c'est pour faire des trucs bien chiants pour avoir la reste. Et c'est qu'une moitié du cadeau. C'est quoi l'autre moitié? Tu le sauras quand je l'aurai trouvé. Wouhou! Et bah voilà! Jetez à l'œil à l'autre cadeau de Pete. Ah, trop obtenu, un cadeau de Pete. Quoi? Pete programme ses tenues pour se connecter à l'émission de Jameson? Peut-être. Mon spectacle de charité de Noël a été annulé pour cause de. Bouffonnerie de justicier en costume. Il y a sûrement mieux à écouter. Ouais, sûrement. Ah, on a dit du bien de celui-là. Bonjour, je suis Dani Gara. Vous écoutez le Dani Cast. Je dirais supporter les gens qui rendent notre ville meilleure. Le sujet du jour, on pourrait parler de Twitter, des fans administratives, de l'inventeur des vidéos sur Internet. Mais non, on va parler de cette incroyable marque et infligée à Rino, la Tusk. Le pire c'est que c'est vrai. C'est limite elle qu'on va entendre à chaque fois. Enfin on va plus l'entendre que Jason Thompson, je crois. Ok, là ça va devenir chiant maintenant. Et le pire c'est que pour le 100% on est obligé de tous les faire. Donc imaginez à quel point c'est casse-couille. Voilà, bon après c'est un peu relou parce qu'en vrai on sait ce que c'est quoi. On connaît le jeu. Enfin on connaît les touches. Donc bon. Oh, ça c'est un truc qu'on va peut-être pas mal utiliser, je pense. Oula merde. Merde. Ah, je fais que de la merde là. Et ouais.
Blue Screen of Death, le fameux. Allez. C'est pas prêt de recommencer. J'ai plus qu'à rétablir la simulation. Du coup, je dois aller là. Ah bah non, non, merde. Ah bah oui, du coup, fallait venir ici. Je vais relancer le BIOS. Super. Ça a marché. On dirait que Pete a préparé des épreuves de furtivité, de voltige et de combat. Ah oui, on va en avoir beaucoup à faire. Attends, parce que ce qu'on vient de faire, ça compte pas là. Éventuellement ça claque peut-être. Ah bah puis on a déjà fait chute libre 2. C'est pas mal. Merde, non, je voulais lire la suite. Enfin, je voulais écouter la suite. Tant pis. Pas pour maintenant. Bonjour, je suis Simon Krieger. Et cette chose à côté de vous est un réacteur uniforme. Une fois activé, ce réacteur fournira suffisamment d'énergie pour alimenter tout la réacteur. J'entends d'ici vos questions. Simon. Comment est-ce possible? Ma réponse, c'est le Nuform. Une seule bonbonne de cette invention révolutionnaire suffit pour fournir Harlem en énergie propre et sans danger pour les 5 prochains siècles. Bientôt, nous installerons des réacteurs à travers Manhattan et ensuite... Tenez-vous prêt pour une planète qui carbure? Au Nuform. Roxas, nous sommes là pour vous. C'était quoi? Oh. Pas l'air d'avoir grand monde. Ils ont vandalisé le truc. Ils cherchaient peut-être quelque chose. Voilà. Oh, des méchants. Qu'est-ce qu'ils ont tous cette nuit?
Bon, tant que j'attaque pas, ça démarre pas. Bon, attendez, on est à 35 minutes. Allez, c'est le premier épisode, on finit ça et après on arrête. Par contre, c'est un peu long, donc ouais. Je vais essayer d'être un peu plus rapide. Voilà, comme ça au moins ils tombent comme des merdes. Alors, oh la merde, c'est vrai. Trop bien de casser des trucs. Ok. Putain, ils sont quand même assez durs en vrai pour le début du jeu, mais quand on fera le jeu en mode comment dire, si on un jour décide de faire plus, éventuellement ça pourrait être un peu bien. Voilà, reste là-bas, tu vois. Bon, c'est terminé normalement. Parlez de cargaison de mes formes. Il faut que je découvre ce qu'ils ont fondé pour anticiper leur prochaine attaque. Ouais. Arriver des cargaisons de mes formes. Mais pourquoi ? Les cartes de Roxanne. Ils s'occuperont du reste. Je m'occuperai de ça plus tard. Et bien du coup, voilà, je pense que c'est sur ça qu'on va arrêter cette vidéo aujourd'hui. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était les Mikoupas. Et puis moi, je vous dis au revoir tout le monde. Je vais quand même mettre pause parce qu'on sait jamais au cas où ça parle à un moment donné. Oups, voilà. Au revoir tout le monde.